Ce mercredi 2 août est une journée spéciale pour Priscilla Betty, la chanteuse souffle ses 34 bougies. Dès son réveil, celle qui a marqué les années 2000 avec ses titres Regarde-moi, Teste-moi, Déteste-moi, et Chouk Chouk Music a remercié ses fans pour leurs vœux en story sur Instagram, sans toutefois révéler ses projets pour sa journée d'anniversaire. En attendant d'en savoir plus, Gala FR revient sur la vie sentimentale de l'artiste, qui n'avait officialisé qu'une seule relation avec le footballeur Gilles Noto en 2017, dont l'histoire d'amour a duré de 2013 à 2019. Il semblerait que Priscilla Betty n'a pas retrouvé l'amour depuis sa séparation avec le sportif originaire de Nice. C'est en tout cas ce qu'elle affirmait auprès de public, repris par nos confrères de Télé 7 jours, « Il faudrait que je trouve quelqu'un, parce que ça fait 2 ans que je suis célibataire, et ça commence à me peser. » Le manque de tendresse, le fait de n'avoir personne avec qui échanger le soir, avait-elle exposé. Si la jolie blonde souhaite profondément rencontrer quelqu'un, elle a toutefois des critères bien précis. Elle avait en effet décrit son homme idéal à nos confrères, plutôt costaud, grand, avec une bonne situation. J'ai besoin de quelqu'un de gentil, à l'écoute, qui s'occupe de moi. Je vis seul à Nice avec Rio, mon bulldog. J'ai un petit appartement dans un beau quartier, une vie à 100 à l'heure parce que je gère tout toute seule. Je ne vais pas sur Tinder et je rencontre rarement des gens hors de mon cercle. En plus, je ne suis pas du tout plan cul, je cherche quelque chose de sérieux. J'ai 32 ans, je veux être maman. Je n'imagine pas ma vie sans connaître le bonheur d'être maman en décembre 2022, Priscilla Betty en disait un peu plus sur son désir de maternité auprès de France Dimanche. L'interprète d'une fille comme moi expliquait qu'elle se voyait fonder une famille avec un compagnon et un enfant mais qu'elle pourrait reconsidérer ce plan de vie. Oui je crois, même si ce n'est pas ce que je m'étais imaginé. Je rêvais plus d'un mari, d'un bébé, d'une maison. Après, respect à celles qui ont la force de faire un enfant toute seule. Je ne sais pas si je m'en sentirais capable, mais je ne trouve pas l'idée saugrenue. Et puis j'ai déjà 33 ans et l'horloge tourne. Donc on verra, mais une chose est sûre, je n'imagine pas ma vie sans connaître le bonheur d'être maman, avait-elle assuré. Crédit photo, Olivier Borde.